Très, très excité par rapport à ça. C'est sûr que ça me fait penser au premier balbutiement après une longue pause, mais on est très, très, très excité pour continuer l'avenir. Parce qu'on a des beaux projets qui s'en viennent, parce qu'on veut continuer à aider les gens. On a des choses qu'on veut mettre sur place aussi, là. C'est ça, ça a pas été facile les dernières années, mais on a beaucoup de projets à mettre sur place. Non. On a beaucoup de projets à mettre en branle. Puis, dans le fond, on va avoir une campagne de financement pour justement pérenniser la fondation parce que éventuellement, je vais peut-être vaquer à d'autres occupations. Donc, on veut assurer la pérennité de la fondation. Merci pour moi. Jusqu'ici, tu dresses un bon bilan, par exemple. Depuis 2013, la Fondation a fait beaucoup, hein? Oui, c'est émotif quand je pense à ce qu'on a. On a refait 19 fois ce qu'on a fait avec mon frère la première fois qu'on est parti de la fondation. Donc, je suis très excité de le faire encore. Puis, on est très heureux d'avoir réussi à ramasser 1 million et de le redonner au complet. Donc voilà. Là, on est en route pour un deuxième million, mais on a besoin. On lance l'appel, l'invitation à l'invitation à la population de s'impliquer. Exactement, on reprend nos activités. Donc, tous les dons, les implications, les événements. Tout est le bienvenu, donc on vous invite à vous impliquer avec la Fondation. Les gens qui seraient intéressés à s'impliquer, on fait quoi? On a un site internet, www.fondationpva.com, où on peut communiquer avec moi directement sur mon cellulaire, 460-8958. Merci beaucoup. Merci.